écoute une réalité vivante. Et parmi les aliments qui combattent les maladies, nous avons les céréales, les fruits, les oléagineux, les légumes. Sont des aliments que Dieu nous donne. Apprêtés à l'état naturel, d'une manière simple, ils constituent un régime plus sain et plus nourrissant. Écoute une réalité vivante. Parmi le repas que nous devons manger à 6 heures d'intervalle, ce repas améliore la mémoire et l'intelligence, fortifie les os et aménage le rein, augmente l'énergie et diminue le stress, facilite le contrôle et le poids, diminue les cancers, les maladies cardiaques et le diabète. Écoute une réalité vivante. Ceux qui mangent trop souvent fixent l'attention sur la nourriture, diminue l'appétit, ralentit la digestion, augmente les déchets toxiques dans le sang, caries dentaires, nuit à un sommeil réparateur. Écoute une réalité vivante. Et pour le principe d'un bon exercice physique, l'exercice doit être régulier, au moins 30 minutes par jour. Cet exercice doit être énergétique, sans être violent. L'exercice devrait être varié pour une utilisation optimale de tous les groupes musculaires. L'exercice doit faire plaisir pour avoir le plus effet bénéfique. Écoute une réalité vivante. Ce que l'exercice peut faire pour vous. 1. Prévient les maladies cardiaques, l'hypertension, l'obésité, l'ostéoporose, le diabète. Améliore la qualité d'un sommeil, la digestion morale. Écoute une réalité vivante. Si l'eau du corps qu'on devrait consommer durant toute une journée était prise par la bouche. On devrait boire chaque jour 40 000 verres d'eau. Heureusement, le corps conserve son eau. Environ 10 verres d'eau sont éliminés chaque jour comme suit. Écoute une réalité vivante. Les reins extraits 5 verres et demi d'eau par urine. Le poumon en perd 2 verres par la respiration. La peau en perd 2 verres par la transpiration. Le système gastro-intestinal en perd un demi-verre dans le sel. Écoute une réalité vivante. Tous les organes et les fonctions corporelles ont besoin d'eau. Écoute une réalité vivante. La respiration, la digestion, l'élimination, la sécrétion des hormones, le contrôle de la température, la lubrification des muscles, des os, des tendons, des tissus bien nourris en eau sont mieux protégés contre les blessures. Écoute une réalité vivante. Un bain quotidien dans de l'eau tiède ou fraîche procure des bienfaits suivants. Écoute une réalité vivante. Améliore la circulation, tonifie le corps, rafraîchit l'esprit, stimule le cerveau et calme le nerf. Améliore la flexibilité des muscles, stimule les organes de la digestion, estomac, foie et intestin. Écoute une réalité vivante. Le soleil
est une créature de Dieu. Et Dieu se révèle par ses créatures. Écoute une réalité vivante. La lumière est douce et c'est bon pour les yeux de voir le soleil. Ecclésiaste chapitre 11, verset 7. Le soleil stimule la production de vitamine D. Elle est essentielle pour la santé et l'un des agents de guérison le plus puissant de la nature. Écoute une réalité vivante. La Bible nous révèle la source de la guérison, le soleil spirituel. Mais pour vous qui craignez mon nom, se révélera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Malachie chapitre 4 verset 2. Écoute une réalité vivante. Pour ce qui concerne le régime alimentaire et la tempérance, la tempérance permet d'avoir l'esprit clair. Écoute une réalité vivante. Comprendre des instructions du Saint-Esprit. Discerner les pièges et les tentations du malin. Perfectionner son caractère chrétien pour la gloire et le service de Dieu. Écoute une réalité vivante. Pour ce qui concerne l'alcool, comment échapper à l'alcool? Écoute une réalité vivante. Pour vaincre le besoin d'alcool, s'abstenir de caféine. Et dans le caféine, il y a le café, le thé, le cola et autres boissons gazeuses. Aliments épicés et fermentés. Sucre raffiné. Aliments à faible valeur nutritive. Produits carnés. Drogue et tabac. Écoute une réalité vivante. Les symptômes de l'arrêt du tabac. Tyran qui garde le fumeur prisonnier. Troubles du sommeil, maux de tête, problèmes de concentration, dépression, constipation, diarrhée, éviter de fumer. Écoute une réalité vivante. Le rythme biologique. Rester à l'écoute de nos rythmes biologiques pour bien se sentir et vivre plus longtemps. Être régulier dans les heures du lever et du coucher, les heures de repas, les temps d'études et de dévotion, l'exercice en plein air. Écoute une réalité vivante. Pour une bonne respiration, air frais. Et là, nous aurons à énumérer des choses. L'air frais et air pollué. Tiers des déchets du corps éliminés. Sang et organes fortifiés. Esprit paisible et calme. Vivacité mentale et réflexion améliorée. Production d'endorphines, hormones joyeuses, antidouleurs. Ça, c'est pour l'air frais. Écoute une réalité vivante. Air pollué. Toxines non éliminées. Sang et organes viciés. Anxiété et irritabilité. Jugement et mémoire diminuée. Production d'hormones de stress augmentée. Écoute une réalité vivante.
Pour ce qui concerne le repos physique, recette pour un sommeil reposant. Une chambre sombre, tranquille, bien ventilée. Un estomac vide, 3 heures après avoir mangé. De l'exercice modéré avant d'aller au lit. Une conscience pure, en paix avec Dieu, écoute une réalité vivante. La confiance en Dieu. Pour bénéficier une parfaite santé physique, mentale et spirituelle, le peuple de Dieu, uni à la puissance divine, doit obéir aux lois du ciel. Qui le prépare à servir son Dieu, écoute une réalité vivante. La santé parfaite du ciel est obtenue par notre rencontre avec Dieu, notre obéissance aux lois du ciel, notre service envers Dieu, notre service envers les autres. Écoute une réalité vivante. Dieu se révèle à partir de ses créatures. Il a créé homme et lui a mis à la portée de toutes choses. Écoute une réalité vivante. Tant que nous vivrons, il y aura des problèmes d'ici par là que nous devons vaincre. Écoute une réalité vivante. Dieu est pour toujours et il sera pour toujours. Il est l'éternité des éternités. Écoute une réalité vivante. Et comme il est lui-même le garant de la vie humaine, il a fait tout pour que l'homme puisse revenir à ses propres fins afin qu'il ait la vie éternelle. Il lui avait tout préparé, il lui a tout donné et il lui a fait une intelligence et une conscience et qui découvrira le bien et le mal. Écoute une réalité vivante. Il lui a préparé un régime alimentaire en Éden. Écoute une réalité vivante. Après avoir créé nos premiers parents, Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe porteuse de semences et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre fruitier porteur de semences. Ça sera votre nourriture. Genèse chapitre 1, verset 29. Écoute une réalité vivante. Après la chute de l'homme, Dieu maudit le sol et dit, il te produira des chardons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe de la campagne. Genèse chapitre 1, verset 18. Écoute une réalité vivante. Avant le déluge, une grande méchanceté régnait sur la terre. À cette époque, les antédiluviens étaient intempérants dans le manger et dans le boire. Ils désiraient se nourrir d'aliments carnés, bien que Dieu ne leur eût pas donné la permission de manger de la viande. Écoute une réalité vivante. Après le déluge, Dieu permit à l'homme de manger la chair des animaux purs. Ainsi, sept couples de toutes bêtes pures furent pris dans l'arche, en plus de deux couples de toutes bêtes impures. Genèse chapitre 7, verset 2. Toutefois, Dieu interdit la consommation du sang. Pourtant, vous ne mangerez pas la chair avec sa vie, avec son sang. Genèse chapitre 9, verset 4. Cependant, la consommation de viande pure
et saignée, eut des conséquences sérieuses. La Bible rapporte en effet que les humains vivaient beaucoup plus longtemps avant le déluge. Écoute une réalité vivante. Celui qui a vécu plus longtemps à cette époque, dans l'ancienne époque, c'était Monsieur Methuselah qui a vécu 969 ans. Et quand maintenant l'homme a péché, la vie a diminué, a été courte, de 669 ans à 120 ans pour l'époque de Moïse. Écoute une réalité vivante. Et après cela maintenant, à l'époque de David, dans Psaume 90, verset 10, il nous dit et il nous demande de savoir bien compter nos jours, car on le comptera à bout de doigts. Et celui qui vivra longtemps aura 80 ans s'il a de la force et il a appliqué la tempérance. Et d'autres vivront 70 ans. Écoute une réalité vivante. Mais avec l'espérance de vie que nous avons actuellement, et celui qui atteint 45 à 50 ans, et il a déjà vécu, et c'est une vie de misère. Écoute une réalité vivante. À l'aide de cela, nous vous prions et nous vous montrons que la réalité vivante, c'est une réalité existante, c'est une réalité et déjà vécue, c'est une réalité que nous vivons et c'est une réalité qu'on vivra. Écoute une réalité vivante. Dieu n'est pas un homme pour se tromper. Il a tout fait pour l'homme. Il a réagi autre chose. Écoute une réalité vivante. D'où maintenant, nous devons faire attention, car cette réalité vivante nous permettra de corriger toutes les erreurs commises par nos premiers parents et de vivre une vie éternelle. Écoute une réalité vivante. À l'aide de cela, nous allons vraiment vous supplier de ne pas aller à l'encontre des ordonnances divines, car Dieu étant aimé le monde, il a donné son enfant afin que nous ayons la vie éternelle, que celui qui le croira n'ira pas au-delà de ses ordonnances, d'où une réalité vivante. Comme nous vous l'avons toujours dit, et nous continuons toujours à vous le dire, il y a eu un régime approprié pour l'alimentation idéale en Israël. Les Israélites reçurent la permission de manger la viande des animaux purs. Écoute une réalité vivante. Si vous lisez Lévitique chapitre 11, vous en trouverez. Cependant, ils ne devaient en manger ni la graisse, ni le sang. C'est ici une prescription perpétuelle pour vos descendants. Partout où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Lévitique chapitre 3, verset 17. Dans le Nouveau Testament, il est écrit que les gentils devraient s'abstenir de consommer du sang. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 20. Écoute une réalité vivante. Le régime alimentaire idéal que donna Dieu à Israël est expliqué dans Exode, chapitre 16. L'Éternel dit à Moïse, je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Les Israélites ont mangé la manne pendant 40 ans. Exode chapitre 16, verset 4. Et vous sautez au 35e verset. Lorsque Dieu fit sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte,
Son intention était de les établir dans le pays de Canaan comme un peuple pur, erré et saint. Il le priva presque totalement de la viande. Si le bienfait d'Israël avait consenti à surmonter leur appétit, conformément aux restrictions indiquées par Dieu, la faiblesse et la maladie eussent été inconnus parmi eux. Écoute une réalité vivante. Leur descendance y possédait une grande vigueur physique et mentale. Ils fussent parvenus à une perception claire de la vérité et du devoir, à un jugement sain et à un discernement aigu. Ellen White, dans le Conseil sur la nutrition et les aliments, page 451, cela est bien mentionné. Écoute une réalité vivante. Daniel et ses trois amis sont un vivant exemple de bénéfice d'une alimentation tempérée, saine et végétarienne. Daniel est résolu de ne pas s'essuyer le main du roi et par le vin dont le roi buvait. Daniel demanda qu'un simple régime végétarien leur soit servi pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure mine et plus d'abonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient le mets du roi. D'autres avantages se manifestèrent à la fin de leurs études. Sur tout le sujet qu'eût réclamé de la sagesse, de l'intelligence, sur lequel le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois plus supérieurs et tous les magiciens, astrologues qui étaient dans tout son royaume. Vous allez lire cela dans Daniel, chapitre 1, verset 8 jusqu'à 20. Le régime alimentaire de Dieu aujourd'hui. Écoute une réalité vivante. Quel régime alimentaire Dieu nous propose-t-il aujourd'hui? Si la maladie augmente chez l'homme, il en est de même chez l'animal. Par conséquent, la viande, le produit laitier, le lait contaminé sont une source de maladie. Le fait que le bétail soit malade rend dangereuse la consommation de viande. La malédiction de Dieu repose sur la terre, sur l'homme et sur les animaux, sur les poissons de la mer, et comme le péché est universel, la malédiction sera aussi étendue et aussi profonde que la transgression elle-même. On contracte des maladies en mangeant de la viande. Dans peu de temps, on ne pourra plus consommer aucune chose qui proviennent de la création animale. Ellen G. White, dans le Conseil sur la nutrition et les aliments, pages 493 et 494. Écoute une réalité vivante. Il m'a été montré à maintes reprises que les enfants et que Dieu cherchent à nous ramener, étape par étape, à son dessein originel, à savoir que l'homme doit se nourrir des produits naturels de la terre. Parmi ceux qui attendent le retour du Seigneur, l'usage de la viande sera délaissé. La viande cessera de faire partie de leur régime. Nous ne devrions pas perdre de vue ce but. Nous devrions et devrions-nous efforcer d'y attendre? Écoute une réalité vivante.
Pour ce qui concerne le régime alimentaire, Dieu lui-même a fait plusieurs choses là-dessus. Et nous a demandé maintenant d'être vigilants au principe d'une saine alimentation. Écoute une réalité vivante. L'alimentation déséquilibrée, si courante aujourd'hui, contribue largement aux maladies et aux souffrances qui sévissent partout. Beaucoup de maladies pourraient être évitées si le conseil suivant était suivi. Manger beaucoup de fruits, de légumes à prêter le plus naturellement possible. Varier l'alimentation, mais ne pas manger trop d'aliments différents au même repas. Préparer le repas simple, mais appétissant. Écoute une réalité vivante. Utiliser les grains entiers, non raffinés, par exemple du pain complet ou du riz brun. Éviter les grains raffinés tels que la farine blanche ou le riz blanc. Écoute une réalité vivante. Éviter les aliments riches contenant trop de sucre, de sel, d'huile. Éliminer les graisses, spécialement les sandwichs et tout produit irritant pour l'estomac. Écoute une réalité vivante. Manger à des heures fixes. L'estomac fonctionne mieux sur un horaire régulier. Respecter un intervalle de 5 à 6 heures entre la fin d'un repas et le début suivant. Écoute une réalité suivante. Ne grignoter entre le repas car cela perturbe la digestion. Les aliments partiellement digérés demeurent dans l'estomac et pourrissent et y pourrissant ou se fermente. Écoute une réalité vivante. Le petit déjeuner devrait être le repas le plus copieux. Le dîner, s'il y a lieu, le plus léger. Il prie au maximum et pris au maximum 2 ou 3 heures avant le coucher. Écoute une réalité vivante. Manger avec la joie. Manger avec joie les aliments bons pour la santé, mais éviter de trop manger. La suralimentation engourdit l'esprit, fatigue et aggrave la maladie et raccourcit la vie. Écoute une réalité vivante. Boire beaucoup d'eau durant la journée afin que l'urine reste pâle. Ne pas boire de liquide pendant le repas, juste avant le repas ou peu de temps après le repas. Écoute une réalité vivante. Sauter régulièrement de 1 à 4 repas. Le jeûne permet de d'éduquer l'appétit et donne une meilleure maîtrise de soi. Le jeûne est également un remède excellent pour beaucoup de maladies, spécialement pour les personnes qui ne travaillent pas physiquement. Écoute une réalité vivante. Si on y allait, en vous montrant les prescriptions au principe de l'estomac, car on aura aussi à disséquer pour ce qui concerne cet organe qui est le plus précieux, car l'estomac et le foie, ce sont des organes mères du corps humain. Les irritants de l'estomac et prometteurs des maux digestifs. Écoute une réalité vivante qui en est pas même discutée. Et si vous en discutez, vous-même, vous vous cognez à un rocher. C'est une réalité vivante. Les irritants
de l'estomac est prometteur des maux digestifs. Nous avons le piment fort et les épices telles que le gingembre, la cannelle, le clou de girofle, la muscade. C'est une réalité vivante. Osez prendre ce qu'on défend ici, vous aurez des maux d'estomac. Écoute une réalité vivante. L'alcool et les aliments qui subissent un processus de fermentation, de putréfaction et de pourriture tels que la choucroute, le fromage, la sauce de soja et le vinaigre présent dans le marinade, la mayonnaise, le Kip Kat, les sauces à salade sont des irritants de l'estomac. La caféine et qui renferme le café, le thé, le cola, la théobromine qu'on appelle chocolat et le tabac irritent convenablement l'estomac. Les aliments concentrés tels que les aliments riches en sel, en sucre raffiné, en huile et graisse raffinée, en protéines, dans la viande et le produit des animaux, ainsi que l'abus de vitamines et suppléments de minéraux, ce sont des irritants de l'estomac. Mélanger le lait, le sucre, je reprends. Si vous mélangez le mélange de lait, d'œufs et de sucre, irrite convenablement l'estomac et amène aux maladies cardiaques. Le bicarbonate de soude et les levures artificielles présentes dans les biscuits de beignet et autres pâtisseries. Ce sont des irritants de l'estomac et prometteurs des maux digestifs. Écoute une réalité vivante. Des fruits et pas assez ou trop mûrs, si vous avez l'habitude de les consommer, en y mettant même le sel, comme font de petites filles, écoute une réalité vivante. Cela irrite l'estomac et amène des maux digestifs. Manger des fruits et des légumes au même repas, chose défendue, n'est pas le faire. C'est une réalité vivante. Vous osez le faire, vous allez souffrir, vous allez sentir sur votre corps vous-même. Écoute une réalité vivante. Manger des aliments trop chauds ou trop froids perturbe les maux digestifs. Écoute une réalité vivante. Ne pas respecter un intervalle de 5 à 6 heures entre le repas perturbe la digestion, apporte des maux digestifs, écoute une réalité vivante. Manger trop ou trop vite ou retard le soir perturbe l'estomac, écoute une réalité vivante. Boire de l'eau ou d'autres boissons pendant le repas. Les liquides ralentissent la digestion et retardent l'évacuation de l'estomac. Les ulcères et les gastrites sont souvent causés par la stagnation des aliments dans l'estomac. Écoute une réalité vivante. Beaucoup d'aliments préparés commercialement contiennent des produits chimiques et des additifs nocifs pour le corps. L'aspartame ou un édulcorant de synthèse et de sodium, un agent et sapidité largement utilisé, peuvent provoquer des maux de tête, même des troubles plus sérieux. Écoute une réalité vivante. À cela, nous vous avons dit que plusieurs maux
ou bien plusieurs maladies sont dues à la perturbation de l'estomac, tel que c'est bien consigné dans un livre ministère de la guérison, page 256 et 257. Il y a ce qui s'est dit là-bas. Bien des maladies sont dues à la dépression mentale, au chagrin, à l'anxiété, au mécontentement, au remords, à la méfiance, tendent à briser les forces vives et à provoquer l'affaiblissement et la mort. C'est une réalité vivante. L'imagination provoque parfois la maladie et très souvent l'aggrave. Beaucoup restent invalides toute leur vie et seraient en bonne santé s'ils voulaient croire qu'ils le soient. D'autres pensent que chaque appétit courant et courant d'air provoquera une maladie et le mal vient. En effet, parce qu'il était entendu, d'autres encore meurent de maladies dont les causes sont entièrement imaginaires. Écoute une réalité vivante. S'il y a des gens qui possèdent des embonpoints, chez plusieurs provient de l'encrassement de leur organisme par des déchets non éliminés. D'autres s'affaiblissent et maigrissent parce que leurs forces vitales sont épuisées par les efforts nécessaires à l'assimilation d'un excès de nourriture. Le foie est surmené dans son contrôle des purificateurs du sang et la maladie s'ensuit. Écoute une réalité vivante. Mais suivez en effet ce que nous devons faire et ce qui sera joyeux et précieux pour vous. Le courage, l'espérance, la foi, la sympathie, l'affection favorisent la santé et prolongent la vie. Un esprit content et heureux contribue à la santé du corps et à la force de l'âme. Un corps joyeux est un bon remède. Proverbe chapitre 17, verset 22. C'est tout ce que nous devrons prier pour vous à tout moment que vous vivez, que vous êtes dans la joie. Faites tous les moyens pour avoir un cœur joyeux, car ce cœur joyeux est un remède pour tout le monde. C'est pour cette raison d'évacuer et de jeter plus loin la tristesse, l'envie, l'irritation, le chagrin. Tous ces mots dont je venais de citer sont des mots qui apportent la maladie et qui sont une conséquence extraordinaire à la vie d'un homme. C'est pour cette raison que si vous riez 14 fois dans 15 heures, ou bien je dirais dans 9 heures, depuis le matin jusqu'au soir, vous ayez l'intervalle de rire 14 fois, vous aurez déjà soigné tous les maux qui se trouvent dans votre organisme. Ça, c'est un remède plus simple et plus copié que tout le monde devrait faire puisque vous n'allez pas l'acheter. Le rire seulement, avoir un cœur joyeux qui n'est pas meurtrier, cela nous apporte à une guérison totale. Car même pour un malade qui est souffrant, si vous arrivez auprès de lui, vous amenez des paroles cajolantes, vous commencez à le supplier, vous commencez à rire avec lui, cela le soigne convenablement. D'où il y a aussi
un remède pour tous les maux qui existent. Dieu en avait déjà préparé. Et dans ce livre qu'on appelle Ministère de la guérison, page 266, il est dit ceci. Et cela, nous allons le lire dans Exode chapitre 15, versets 22 jusqu'à 25, et Nombre 20, chapitre 2, et chapitre 20, versets 2 jusqu'à 13. Il nous dit ceci. Dieu a un remède pour tous les maux, pour toute maladie existante, pour tout mot existant. Dieu a un remède pour cela. Lorsque Israël, altéré errant dans le désert, arriva aux eaux amères de Mara, Moïse cria à l'Éternel, mais il ne lui envoya pas un remède inconnu. Il attira simplement son attention sur les sources immédiates. Le bois d'un certain arbuste qui croissait près de là, vivait, devait être jeté dans l'eau pour la purifier, pour la rendre douce. Et c'était là un remède pour tout mot, pour toute maladie qui devrait exister dans la vie humaine. Mais quand des gens négligent de l'eau, est-ce que du moins vous pouvez terminer une semaine sans se baigner? Non, car l'eau intervient dans tout domaine. L'homme étant créé par Dieu, on lui a donné de l'eau pour boire. Ce n'est pas pour l'homme lui seul. Que ce soit pour les animaux, que ce soit pour les végétaux, l'eau a une très grande importance. Donc, si vous voulez vivre convenablement, tel que Dieu l'a voulu, tel que l'intention de Dieu était préparée, ou bien l'a préparée, buvez beaucoup d'eau, tenant compte de votre kilo et de votre âge, car il dit, buvez-en, car c'est un remède qui n'est pas compliqué. Mais si vous sachez que vous allez terminer toute une journée sans manger, vous êtes dans le jeûne, mais qui n'est pas un jeûne thérapeutique, ne prenez pas de l'eau. Parce que le rôle de l'eau, c'est pour nettoyer, c'est pour purifier, c'est pour enlever tous les déchets et en purifiant le sang, même les muscles, partout dans le corps. Si vous terminez maintenant toute une journée sans manger et vous avez bu de l'eau, il y aura l'irritation de l'estomac. D'où il existe ce qu'on appelle des jeûnes thérapeutiques. Et dans le jeûne thérapeutique, nous devons prendre de l'eau, nous devons prendre de la bouillie et nous devons prendre des salades. C'est ce qui est consigné et c'est ce qui est demandé à l'homme. Si beaucoup de gens, tant de gens souffrent de maux d'estomac, c'est puisque ils sont ignorants. Et cette ignorance est apportée, ou bien c'est dit dans Osée chapitre 4, verset 6, que mon peuple périt par manque de connaissance. Et en allant, ou bien pour cela, dont nous vous avez montré, pour ce qui concerne un cœur joyeux, que c'est un bon remède, il y a ce qui est dit aussi ici en bas. En toutes circonstances, si nous obéissons à la parole, nous aurons un guide indéfectible. Et ce guide indéfectible, c'est un guide qui n'est pas faillable. Lui, il est saint, il restera saint, il est un être infini et il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir de plainte pour lui. C'est bien lui
qui n'est pas faillible. Et c'est pour cette raison qu'on lui a dit que c'est un guide indéfectible. Donc, lui est capable de tout. Ce que nous croyons incurable, chez lui c'est curable. Il y a des maladies déclarées incurables chez les hommes, comme l'exemple d'un jeune gens qui aurait vécu pendant 38 ans dans la souffrance et il avait déjà jeté l'espoir et il ne pensait pas plus vivre et son corps était en train de se détériorer. Mais lorsqu'il a entendu qu'il y a quelqu'un qui est puissant et qui est à la base de tout et qui peut soigner toute maladie, et lui n'est pas défaillant, il a dit à ses frères, à ses amis, de l'amener là où se trouvait le Seigneur. Il y avait la piscine. Et lorsqu'il y avait l'irritation de l'eau, l'eau s'agitait, automatiquement, c'est lui qui s'y rendait le premier, qui s'y jetait le premier, était guéri de toute maladie, n'importe laquelle. Et lui manquait celui qui pourrait l'introduire dans cette piscine. Un moment donné, un jour J, Jésus était venu et lui a demandé, « Veux-tu être guéri ?» Il dit, « Oh, c'est ça mon intention. Mais qui pourrait me faire guérir ? Lorsque je voudrais entrer dans cette eau, dans la piscine, je manque celui qui peut m'introduire là-dedans. Et quelqu'un y entre et il est guéri. C'est pour cette raison que je suis ici chaque jour. » Et à partir de cela, sans autant y entrer, le Seigneur lui a dit, « Mon fils, bien-aimé, tu es guéri. Prends ton lit et rentre chez toi. » La foule qui était là et les gens qui étaient en train d'observer cette scène s'étaient demandé, c'était quoi? Est-ce que dans le monde, il y a des types pareils, il y a des gens pareils? Que Dieu a donné une très grande puissance. Ils ont glorifié le bon Dieu. Et depuis ce jour-là, et ils ont vu que le Seigneur, qui est l'image du Dieu vivant, est capable de tout. Donc, nous devons faire attention aux prescriptions du Seigneur, car personne n'a jamais vu le Seigneur et n'a jamais vu Dieu à l'œil uni. Et il y a quelqu'un, c'est un serviteur de Dieu bien connu, qui disait que tant de jours je dialogue avec vous, mais je ne vous ai jamais vu. Pourquoi? J'aimerais vous voir un jour. Il a dit, ok, prépare-toi. Et le Père lui-même s'était rendu. Il a pris, le Seigneur Jésus a pris le corps de Dieu vivant. Et à partir maintenant de cela, il s'était incarné dans lui. Et en s'incarnant dans lui, qu'est-ce qu'il y a eu? C'était dit, eh bien, prépare-toi, venez maintenant me voir. Et Jésus ayant déjà, c'est Dieu qui s'était déjà incarné dans Jésus. Et il a dit, je suis là maintenant, venez me voir mon serviteur. Il n'a pas observé, il n'a pas vu le visage, c'était seulement les dos. Et il y a les rayons solaires qui s'étaient venus et c'était vraiment empathie dans son visage. Il a dit, mon Dieu, personne ne peut te voir et vivre. Il a dit, ah, tu l'as su maintenant, ok, je l'ai su. Et à partir maintenant de cela, c'était bien mentionné que c'était un Dieu vivant. Si nous lisons dans la Bible, dans 1 Timothée, chapitre 6, nous allons lire au 16e verset, ça nous dit ceci. Il est le seul possédé d'immortalité. Lui qui habite dans une lumière
inaccessible et qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Je reprends la lecture. Et si du moins je peux commencer à 15 pour que vous écoutiez cela convenablement, ça nous dit ceci. Cette apparition, les bienheureux et seul souverain, roi des rois et seigneur des seigneurs, la révélera au moment voulu. 16. Il est le seul à posséder l'immortalité. Lui qui habite dans la lumière inaccessible et qu'aucun homme n'a vu ni ne peut le voir. À lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Et ça, c'était le Dieu vivant, le Père, et qui est écrit dans chapitre Jean chapitre 17, verset 3, il y a ce qui s'est dit là-bas. Ça nous dit ceci. Jean chapitre 17, verset 3. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et pour avoir la vie éternelle, il faut qu'on sache le Dieu et le Dieu Tout-Puissant, qu'on appelle en anglais « The Mighty God ». Et c'est celui qui aurait envoyé Jésus. Jésus est son serviteur. Et il nous est demandé aussi d'imiter Jésus. Et il faut d'abord que nous connaissions d'abord le Père, afin de connaître celui qui l'a envoyé, donc Jésus-Christ. Et c'est ça, avoir la vie éternelle. Et si on y allait rapidement, dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole, existait déjà, la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Maintenant, au commencement était la parole. La parole était déjà là-bas. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est maintenant, dans le plan de la rédemption, que Jésus lui-même, en se contactant avec le Père, il s'est dit, « Non, je voudrais aller sauver le monde. » Et ils ont eu un entretien. Et cet entretien a causé à ce que Dieu dit, « C'est vous êtes un sacrifice qui est acceptable, qui est agréable et qui est vivant. » D'où je vous envoie sur la terre afin de sauver l'homme déchu. Et pour les stupéfier, nous allons peut-être voir dans Proverbe chapitre 8, nous allons commencer au verset 22 et en descendant pour éclairer ce que nous venons de dire là-bas. Puisqu'il y a des gens qui croient à Jésus, mais qui ne croient pas au Père. Il y a des gens aussi qui croient au Père, mais qui ne croient pas à Dieu. Et c'était l'ignorance des pharisiens et des sadducéens, puisqu'ils ignoraient Dieu et ils ignoraient le Seigneur vivant. Dans Proverbe chapitre 8, verset 22, il y a ce qui se dit là-bas. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. L'Éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres, le plus ancien. J'ai été établi depuis l'éternité.
dès le début, avant même que la terre existe. J'ai été mise au monde quand il n'y avait pas de mer, pas de source chargée d'eau. Avant que les montagnes ne soient formées, avant que les collines n'existent, j'ai été mise au monde. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de poussière du monde. Lorsqu'il a disposé le ciel, j'étais là. Lorsqu'il a tracé le cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il a placé les nuages en haut et les sources de l'abîme ont jailli avec force, lorsqu'il a fixé une limite à la mer pour que l'eau n'en franchisse pas le bord, lorsqu'il a tracé les fondations de la terre, j'étais à l'œuvre à ses côtés. Je faisais tous les jours son plaisir, jouant constamment devant lui, jouant dans le monde, sur la terre, et trouvant mon plaisir parmi les hommes. Et maintenant, mes fils, écoute-moi. Errez ceux qui persévèrent dans mes voies, écoute l'instruction pour devenir sage. Ne la négligez pas, errez l'homme qui écoute, qui veille chaque jour sur mes portes et qui garde l'entrée de ma maison. Et ça, c'était maintenant les paroles vivifiantes qui montrent que Jésus aussi connaît qu'il y a quelqu'un qui est supérieur à lui. Et lorsque nous serons au ciel, nous verrons le Père et le Fils. Et il nous a laissé aussi le Saint-Esprit. Il y a un autre verset qui le stipule très bien. Et dans chapitre, toujours dans Jean 28, chapitre 28, c'est 14-28. 14-28, c'est écrit dans Jean, il nous dit ceci. 28, ça nous dit ceci. Vous avez entendu que je vous ai dit et je m'en vais. Et je viens vers vous. Et qui existera? C'est tout ce que nous sommes en train de parler. Que ça soit sur la terre, que ça soit dans la vie future, nous allons surtout vivre cette réalité vivante. Ne négligez pas cette réalité vivante, car c'est une réalité existante, c'est une réalité qui a existé, c'est une réalité que nous vivons actuellement, et c'est une réalité que nous allons vivre dans la vie future, précisément au ciel. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse miséricorde, afin que nous vivons cette réalité existante pour toujours, dans les siècles et des siècles.